Bonsoir à tous, c'est Apixo, on se retrouve aujourd'hui sur Rimworld. Donc, l'objectif du jour, ça va être de trouver plus de métal. On a encore plein de gisements un peu partout, mais il nous en manque quand même pas mal. On n'a plus rien, enfin. Je crois qu'on est complètement à sec. Complètement. Donc il faut absolument qu'on trouve plus de métal. Et je viens de remarquer qu'on n'avait plus de bouffe pour les animaux, donc ils viennent manger ici. Ce qui en soi est pas vraiment un problème. Ça pose pas de problème, mais faut qu'on y fasse attention. Muffalo femelle est enceinte. C'est utile. Ça peut être utile. Donc du coup, je peux envoyer que ces deux-là. Je peux envoyer que ces deux-là pour le trajet. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus de deux Muffalo. Je pense pas que ce soit un problème. Bon, par contre, il faudrait absolument que les gens se mettent à miner. On a du coton, notre coton est presque... Non, il est à 66%. Il n'est pas prêt. On dirait, mais il l'est pas. Il l'est pas du tout. J'ai eu l'espoir. Parce qu'on va faire des tapis, clairement. On va faire les tapis dans toutes les chambres. Je veux absolument que les chambres soient belles, donc on va faire des tapis. C'est décidé, c'est tout. Bon, aussi, il nous... Qu'est-ce qu'on a niveau bouffe? On est largement bien. Parfait, Zitoun, tu marches plus vite. C'est cool. C'est cool, tu marches plus vite. C'est valide. Cette statue est bientôt terminée. Alors, vous m'avez dit de passer sur des statues de taille moyenne. Taille moyenne, toi, taille moyenne. Je suis sur des petites. On va passer sur des moyennes. Y a pas, donc ça va être grande, je pense. On va les faire à base de bois et de blocs de pierre. Allez, on a ce qu'il faut de toute façon. Je vais en faire que deux. Et je pense qu'ils viennent se dire que... Non, j'en ai juste marre. Des sculptures inachevées, j'en ai juste marre. Ok, qui peut aller miner s'il vous plaît? On a un problème, personne ne veut aller miner. Bon, j'ai pas vraiment le choix, ça me plaît pas trop, mais j'ai pas vraiment le choix. Michael est fermier, et ensuite il passe à ça. De toute façon, il n'y a rien avant, ou alors il fait forestier avant, mais... C'est pas particulièrement utile. Je vais demander vraiment à Max de faire le minage. On a besoin de tout ce métal. On en a besoin. Regardez-moi la vitesse à laquelle elle mine. C'est... abusif, c'est complètement abusif, c'est génial. Elle mine super vite. Composants pareil. Je pense qu'on va regagner du métal grâce à Max. Ça va aller très vite à mon avis. Et moi ça me va totalement. Pou devrait ramener les objets la nuit. Donc je m'en inquiète pas trop. Michael mine un petit peu aussi, mais lui c'est un peu plus lent. Même si c'est pas mal déjà. Vulcan canon. Les Vulcains sont là. Ok, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire? Est-ce que j'ai mis tout ce qui est forage en profondeur? Oui, je les ai. Lumière colorée, ça peut être intéressant. Vous savez quoi? Je vais faire toutes les petites recherches. Toutes les toutes petites recherches qui prennent 2 secondes, je vais les faire. Je vais les faire, ça va nous permettre d'avancer un petit peu sur tout ce qui est... histoire que tout le truc paraisse bien propre et tout. T'es pas en train de manger mon coton, toi? Si, si, il est en train de manger mon coton. Ok, ce qu'il faut que je modifie ça. Vous allez jusqu'ici. Pas plus loin. Ici, c'est pas pour vous. Ici, c'est pour vous. Voilà, Pou est déjà en train de ramener tout ce qu'il faut. Michael, c'est peut-être pas une bonne idée de rester dehors. Alpha Castor. Chassé. Ça devrait nous occuper. Alors, certains m'ont dit d'envoyer des Alpha Castor en guerre. De les envoyer aussi en guerre. J'ai pas trop suivi. J'ai cru comprendre ça, en tout cas. Ça tiendrait. Si on les dresse pour attaquer, techniquement, ils vont attaquer. Mais je suis pas sûr qu'ils soient très efficaces en combat. On a encore beaucoup d'attaques à faire ici. D'attaques, de minage.
Celui-là, pas vraiment utile. Non, on va être bien. On va être bien. Max doit encore miner pas mal de trucs, mais... Pour amène le minerai le soir, donc... On est bien, on est bien. Tout va bien. Zitoun, tu as perdu ta frénésie. C'est pas vraiment un problème. On est toujours en train d'essayer de dresser ce muffle aux femelles. On devrait y arriver. On devrait y arriver. Ouais, nos muffalos ont plutôt faim. Ils ont plutôt faim, il faut qu'ils aillent manger ici en fait. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. Donc il faut absolument qu'on les fasse manger ici. C'est impératif. Sullivan est en train de cuisiner. Zitoun, il est où? Réveille-toi. Un colon inactif, ça c'est pas bon. Kim. Tu peux miner en dernier recours. Pas que ça va aider, mais tu peux miner en dernier recours. On avait une bonne... On avait un bon gisement ici, hein. Ou transporter les minerais qu'on mine. Ça marche aussi. C'est totalement valide aussi. Wake up terminé. Je fais vraiment toutes les petites recherches qui servent pas à grand chose. Parce que... Tout ça, j'ai pas vraiment envie de le faire. Pas vraiment tout de suite, en tout cas. Pourquoi mon muffalo se laisse mourir de faim? Ok, je vais refaire les... C'était pas ce que je voulais, le jeu. Je voulais refaire les zones. J'ai absolument cliqué pas du tout où il fallait. C'est pas grave. Donc, c'est zone. S'ils se laissent mourir, autant que je les autorise à aller partout. Eux, ils ont compris, je crois. Mais lui, il est en train de se laisser mourir. À l'autre bout de l'univers, mais il est en train de se laisser mourir. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, il s'est barré. D'accord, il s'est barré. C'était pas le nôtre ? J'étais quasiment sûr que c'était le nôtre. Non, donc les nôtres, ils ont bien compris. Ils ont tous bien compris, nous, hein, y a pas de souci. Non, c'est bon, ils mangent. Y a pas de souci. Oh, ils sont tous les deux liés à... Attendez. Ils sont tous les deux liés à du village, Paris. Je m'en doutais. Commerçant des falaises, Kim, tu vas avoir du travail. Kim. Ah, tu vas chercher les minéraux. Tu vas chercher métal, parfait. Wow, il y en a encore. Bon, j'utilise pas ce métal, donc ça tombe bien. On est en train de remonter, on est à plus de 600, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Tu vas réussir, Max. Dommage. Kim, commerce. Alors, pemmican, non, j'en ai besoin. Chair humaine, vous pouvez la garder. Tout ce qui est nourriture, je le garde. Sauf la gelée d'insectes, ça, je peux le vendre. Du chem fuel, ça peut être intéressant, mais je pense qu'on va se mettre à le produire, donc c'est pas un problème. Le luciférium, prenez, ça me dérange pas. L'acier, wow, si je leur achète 300 d'acier, ça va me coûter tout ça. En même temps, j'ai besoin d'acier. Vêtements de mort, 40%, on s'en fout. Horrible, autant le vendre. 49. Bâclé.
50%, je vais le vendre quand même. Chapeau melon à 27, ça dégage. 45, ça dégage. Et les sculptures horribles. Horrible, ça coûte déjà 102. Hein. C'est pas mal. Donc ça, de toute façon, je vais vendre les deux. Non, vendre celle-ci et installer l'autre. Celle-ci, il faut que je l'installe quelque part. Pourquoi pas juste ici pour rendre la zone un petit peu plus belle. Parce que ici, ça doit être catastrophique. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. On n'est pas dans le négatif, c'est déjà ça. On n'est pas dans les... Il fait moins 25 degrés dehors. Moins 25, c'est totalement abusé. Neige douce. Bon. L'objectif, ce serait d'aller... Alors, maintenant que la carte a été chargée, l'objectif, ce serait d'aller ici. Ce serait d'aller ici. Il me reste 17 jours pour y aller. Et il me reste normalement 6 jours d'hiver. Donc, techniquement, je vais pouvoir venir ici après. Vous m'avez dit que j'ai normalement le temps. Ah. C'est bon, tout le monde s'en occupe. Ok. Je sais que normalement je pourrais laisser, mais là je veux voir ce qui se passe. Les télés, ça fait depuis le début du jeu, de la partie que je promets des télés à tout le monde. Vous pouvez éteindre les feux. Snack est assez chiant dans son genre là. Surtout qu'il met le feu dans la zone la plus dangereuse à y mettre le feu quoi. Ça y est, il va mieux. Il n'y a plus de problème, tout va bien. Tout va bien. Le métal, on en a encore ici. Quand je dis qu'il y avait encore beaucoup de métal de surface, je pensais pas qu'il en restait autant. Michael, tu dois te les plaît dehors là. Non, ça va, il vit bien. Ok, on est en train de se débarrasser des derniers Alpha Castor. Ça nous fait pas mal de bouffe. Mister Me, qu'est-ce que ça te dit au niveau vêtements? C'est bon, t'as pas trop froid. Ça, tout le monde se tient assez bien. On n'a pas de problème de température particulier. Ça, c'est vraiment pas mal par contre. Je sais pas ce qu'ils ont à prendre. Ils prennent, en fait, j'ai l'impression qu'ils prennent n'importe quelle. Ils prennent n'importe quelle nourriture. Pommes de terre, riz, viande de porc. Ok, c'est vraiment tout en fait. Risque de démence majeure, max. Qu'est-ce qui t'arrive? La beauté, d'accord. Oui, je peux comprendre. Je vais te renvoyer dans la base en vitesse. Ah, elle veut vraiment finir de miner. Et ben, va juste attendre que ça aille et puis elle va s'en remettre. Elle va s'en remettre. Bon, le plaisir revient, c'est bon. C'est bon, elle retourne dans sa chambre. Il n'y aura pas de problème. Elle va s'en tirer. On est pas mal au niveau métal, en final on est remonté au-dessus des 1000. Remonter au-dessus des 1000, c'est vraiment bien. On a construit cette tourelle, enfin. Et il est temps maintenant que je mette... Parce que je l'ai fait là-haut, autant que je le fasse ici aussi. Bon, on va dire que c'est bien. Il y a le beacon qui est au milieu, donc on va rien dire, mais... Voilà, ça devrait aider à protéger cette zone de la base. Et ici... Comme ça. Ça devrait suffire. Je suis aussi en train de réfléchir à mettre un troisième mur ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais le faire tout court. Calcaire. On a besoin de plus de défense. La dernière fois, on a vu qu'ils ont essayé de passer ici avec des explosifs. Donc autant essayer de sauver le truc et faire en sorte qu'il passe vraiment par les défenses. Télévision cathodique terminée, parfait. Lumière colorée, allez. Voilà, les constructions sont en train d'être faites.
On est repassé en dessous des 1000, mais c'est pas grave. On en a encore pas mal qu'à temps ici, donc... Il y en a combien ici? 194. On est bien. On est bien. Risque de démence mineure, max, normal. Elle est en train de miner... Elle mine que... Elle fait que ça. Elle fait que ça de ses journées. Miner, miner, miner. Je peux comprendre que ça soit un peu chiant. Je te comprends. Mais la carte est pas si grande que ça. Je crois pas que j'ai pris la carte la plus grande possible. Et au final, on a beaucoup de minerais, donc ça me pose vraiment pas de problème. On est vraiment bien. On a encore toute une... On dirait une météorite qui est tombée, ça. On dirait une météorite. Voilà, elle peut fabriquer des composants, et c'est vrai, il en reste que... Il en faut 3 de plus. Je suis plutôt tenté de lui demander de ramener ces composants-là plutôt que d'en construire. J'aurais dû réagir un peu plus tôt. J'avoue. Shot Frenzy, donc c'est Zitoon. Zitoon qui peut pas faire grand chose parce que de toute façon c'est pas son truc. Le coton est bientôt prêt à être récolté, ce qui est une bonne nouvelle. Le foin est récolté, donc on peut en mettre dans leur... Ah bah ça y est, là ils ont de quoi manger dans leur petite baraque, c'est bien. Ils ont de quoi manger, c'est bien. Lumière colorée terminée. Alors là on fait vraiment vite. Hein. Les recherches, on a Strikes qui est level je sais pas combien maintenant, il doit être... Voilà, il est 19, presque level max du jeu. Il est bien. Enfin, presque, il est quand même encore loin, hein, mais... Enfin, c'est pas un problème, il sait faire ce qu'il a à faire, quoi. Mais oui, ça descend très vite à ce niveau-là. Hein. À ce niveau, ça descend très vite, l'XP. Hein. Ok, donc ce qu'il faudrait, ce serait... des capsules de transport. Que je mette ici... Et ici. L'objectif, c'est de pouvoir envoyer des... Pas du secours, mais des... Du matériel à tous nos petits amis quand ils en auront besoin à l'autre bout de l'univers. Et par autre bout de l'univers, je veux dire juste ici. La menace, c'est des tourelles. Donc les tourelles, ça va pas nous poser de problème. Il faudrait qu'on ait de l'EMP. Est-ce qu'on a récupéré des grenades EMP? Je vais devoir passer par toutes mes armes pour trouver ça. C'est moi ou on a de la beuh, là? On a de la beuh. Normal. Je crois pas qu'on ait des grenades... Non, on n'a pas des grenades de MP. Dommage. Il faudrait que je fasse une armurerie, d'ailleurs. Il faudrait que je fasse une armurerie pour savoir où est tout mon matériel. Qu'est-ce que t'as? Bon, oh, une parka, parfait. Tout le monde a l'air d'être équipé de parka, donc on est vraiment bien. Mister Me qui continue à ramener des choses. C'est un composant et 80 d'acier. Donc c'est quand même assez cher un pod. C'est quand même assez cher. Il faut faire attention, ça coûte... Ça a son prix. Ça a son prix. Mais ça devrait aller. Au passage, est-ce que je peux faire des Advanced Components jusqu'à ce qu'on en ait... 5, je pense pas qu'on en ait besoin de plus. Ça demande quoi? Un composant, 10 d'acier, 3 d'or et 3 d'uranium. Ok, oublie. Pour le moment, on va pas se focus là-dessus. De toute façon, on n'a pas de cœur d'IA, donc on peut pas construire le vaisseau quoi qu'il arrive. Dommage pour nous, mais on peut pas construire le vaisseau quoi qu'il arrive. Et il y a beaucoup de gens qui voient le vaisseau comme la fin du jeu. Moi, je vois ça... C'est pas plus une fin, moi je trouve que mourir ou faire une colonie qui tourne bien, on peut simplement s'arrêter là-dessus. On peut simplement s'arrêter sur une colonie qui tourne bien, moi je trouve que c'est pas du tout un problème. On va arrêter les sculptures parce que ça fait un peu n'importe quoi. On va les installer un petit peu partout. Recherche terminée, parfait. Gojuice, allez vas-y fais ça. Hein. Ça va pas te faire de mal de toute façon. Ici, il n'y en avait pas. Je sais qu'il y a d'autres sculptures qui vont être faites.
sauf si je les ai toutes déjà installées. Non, on dirait que j'ai tout installé. J'ai tout installé, j'ai rien dit. J'ai tout installé. Bon, on est 11e jour de l'hiver. Normalement, je pense que prochain épisode, on peut lancer une attaque sur ce truc. Parce que la vanométrique Power Cell, ça peut être intéressant. Après, plus d'argent, je dis pas non. Mais ça, ça peut être intéressant. Ça produit un petit peu d'énergie tout le temps. À vie. Et je crois que ça fait la taille d'une... Je crois que ça fait la taille d'une... D'une batterie. Donc c'est pas vraiment... Pas vraiment cher. Niveau taille. Je vais pouvoir mettre ça comme énergie. Ouh, c'est pas bon ça. On a beaucoup de wapiti qui arrivent. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le monde. On a besoin de calmer tous ces animaux. Emdal, tu te mets derrière la tourelle ici. Kim, tu peux retourner te coucher. Duvillard, mets-toi ici, ça sera bien. Non, t'es pas bien placé. Mets-toi ici. C'était Sullivan et pas Duvillard. Snack ici. Strikes. Strikes derrière la tourelle ici. Max en position ici. Ils arrivent vite. Hein. Pou, je vais te libérer. Mister Me en position. Michael en position. Max a été touché, je sais pas par quoi, mais je pense que c'était un pistolet mitrailleur. C'est bien ce que je pensais. Voilà, c'est réglé. Il y a juste Mister Me qui a été un petit peu touché et Max aussi. Max qui a pris une balle de pistolet mitrailleur. Bon, on va rien dire. Bon, ça c'est réglé au moins. On est tranquille. Il fallait s'en occuper parce que clairement ils allaient passer les tourelles et ils auraient pu les détruire. Donc pour le moment... En plus ça nous fait plus de bouffe. On peut pas se plaindre, ça nous fait plus de bouffe. Niveau énergie, on est vraiment bien. Plus 2000, enfin plus 3000. On est vraiment bien. Cette zone n'a pas fini de grandir. C'est vraiment long ça par contre. Ça c'est vraiment long. Vous m'aviez dit que ça allait être long mais... Je pensais pas que ce serait à ce point-là. Mais on a fait avec ce qu'il fallait et on est bien. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de s'embêter plus donc. On est bien. Kim, tu manges un plat raffiné. Transporte ça. Tu peux le faire donc autant le faire. Et notre colonie, elle tourne bien, elle tourne bien. Je veux juste faire une quelques expéditions. Une ou deux expéditions. C'est l'objectif de la série là, c'est les expéditions. On récolte du coton, ça y est, on récolte du coton. Donc je peux mettre... Qu'est-ce qu'on fait dans les chambres? On fait tapis bleu dans toutes les chambres. Clairement, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez. Ah, tapis bleu dans toutes les chambres. Ah, j'ai oublié ces chambres-là. Voilà, dès que c'est pris, ils le posent direct et ils construisent avec. Donc ça va prendre du temps. Il va nous falloir plus de récolte que ça, mais ça va le faire. Ça va le faire. Il y a déjà la chambre d'Aimdal qui est presque terminée. Et je crois que c'est... Oui, c'est plus 2. C'est plus 2, c'est comme le sol aplati. C'est comme le sol aplati. Donc là, on est vraiment bien. On a du métal, 1200. On a encore une veine ici à exploiter. On en a encore une ici. On a vraiment encore beaucoup de métal sur la map. Donc, le minage en profondeur, je vois pas l'intérêt tout de suite. Il n'y a pas d'intérêt immédiat. Il n'y a pas d'intérêt immédiat, mais il va falloir le faire. On va le faire. L'intérêt est juste pas immédiat. Pouille est en train de replanter, tranquille. Il plante ses petites graines, posées. Pas de prise de tête, tranquille.
Bon, on a un médoc. On a un médoc. Un seul. Heureusement, on a 160 de heal. Donc on est bien. Niveau heal, on est bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On est bien. Mais il va falloir que j'en donne à... D'ailleurs, dans l'équipe qu'on a fait, je crois pas qu'on ait de healer. Je viens d'y penser, mais on n'a pas de healer. Et Pou pourrait être un healer. Pou pourrait être le médecin de l'expédition. Vous savez quoi? Je le rajoute à la liste. Je viens tout juste d'y penser. Pou a besoin... On a besoin d'un médecin sur le trajet. Et Pou est parfait pour ça. Il est très mauvais en tir. Deux. C'est déjà mieux que rien. Oh oh. Parfait. Ah. Heimdall, victime d'une intoxication alimentaire. Dommage. Mais on a pas mal de... On a encore beaucoup de viande, en fait. On a encore beaucoup de viande, donc c'est pas... on est vraiment bien. Hein. Je pensais pas qu'on aurait autant de nourriture dans une map comme celle-là. Où on peut pas faire pousser quoi que ce soit à l'extérieur, quasiment. Enfin, maintenant, on peut. On peut faire pousser les choses à l'extérieur. Mais pas l'hiver. Pas l'hiver. L'hiver, c'est juste proscrit, pas de bouffe. Pas de plantation, rien. Ok. Un truc que j'ai oublié de faire, et qu'on va faire tout de suite. Production. Qu'est-ce qui permet de produire le chemfuel? Dites-moi dans les commentaires. Je sais plus du tout qu'est-ce qui permet de produire du chemfuel. J'en ai absolument aucune idée. Je sais plus du tout. Ça se trouve, c'est une recherche que j'ai pas faite. Bah voilà. Tout simplement, c'était ça. Donc on va faire ça avant. C'est le raffinage que j'avais pas. Tout simplement. Ok. Il va falloir attendre une plantation de plus pour tout ce qui est coton. Parce qu'on a clairement pas fini les champs. On a clairement pas fini les champs et il nous en faut encore beaucoup. Et oui, je vais faire des plantes avec... Enfin, des plantes avec de la Diable 2. Je peux en faire, j'ai déjà la recherche. Suffit juste que je le plante, sauf que pour le moment, c'est coton. C'était un jeu de mots de merde. C'était pas prévu en plus, mais bon. On... Zitoun en nettoyage. Zitoun en nettoyage. Ça veut dire qu'on a... On a presque tout. On a presque tout. Ils arrivent à produire ce qu'il faut pour que tout le monde puisse manger. Bon, c'est pas grave. Ça va être une petite perte de pommes de terre. Ça n'est pas la mort. Oh! Ours polaire, meute de chasseurs d'hommes. Je crois qu'il est temps d'activer le panic button. Et assignation, non, restriction. Il est temps d'activer le panic button. Parce que clairement, les ours, ça déconne pas. Je vais augmenter la zone autorisée à ça. Parce qu'ils peuvent pas, ils vont pas essayer de passer les portes. C'est trop dangereux d'essayer de sortir alors qu'il y a une meute de chasseurs d'hommes. Donc, tout le monde reste dans la base. Accessoirement, on va probablement reperdre quelques tourelles. Les ours, ça doit être le plus gros fléau de...
Bon bah on a encore perdu notre métal. Oh, 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 Max, 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 sort. Ok, Max a été touché. Enfin, touché. Non, Max a pas été touché, mais sa chambre a été détruite. Ah ouais, a été ouverte. Je peux pas te laisser prendre ce lit. Je vais l'affecter aux prisons. Non, je peux pas. Bon, Max actuellement n'a plus de lit et essaie de retourner tout le temps dans sa chambre. Wow, wow. Ok, il est temps. Il est temps, tout le monde doit se réveiller. Duvelard, derrière la table d'échecs. Il en reste deux. On les a eus. Oh non, on les a pas eus. Ok, structure, porte, ça me donne l'occasion de la modifier en granit. Snack, j'ai clairement besoin que tu priorises cette porte. Ok, il est rentré. Ce minigun est abusé. Je sais pas où est passé l'autre ours. J'espère qu'il est mort, mais je sais pas où il est. Ok. C'est passé. C'est fini. Tout va mieux. Tout va mieux, on a eu une petite frayeur. Une petite frayeur. Mais sur cette petite frayeur, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Aimez la vidéo, vous abonner à la chaîne. Mais sur ce, à dans la prochaine vidéo !